Mon meilleur souvenir en 11 ans de BNP Paribas Primos Bordeaux, ça fait 11 balles de match, je pense que 3 devraient suffire. Premier souvenir, 2008, première édition, la finale. À la fin du match, l'arbitre de chaise, le néo-zélandais Dimitar Trifunovski, venant me remercier d'être parvenu à prononcer correctement son nom, ce qui n'était jamais arrivé, même à Wimbledon. Deuxième souvenir, 2017, premier trophée remporté par un joueur du club, champion de France avec l'équipe de la Villa Primos en 2012 et 2016, le Belge Steve Darcis au terme d'un match très disputé devant le vainqueur de l'édition précédente en 2016, le Brésilien Rugiero Dutra Silva. Steve Darcis, en plus, chez nous, c'est une valeur sûre, c'est quelqu'un que l'on aime beaucoup. Ensuite, dernier souvenir, 2019, dernière édition à s'être tenue, mais également première édition où, ayant cessé mes fonctions officielles de speaker, j'ai pu profiter du tournoi, des matchs, des partenaires et surtout une intense émotion lors de l'hommage que la Villa Primos a eu la très grande élégance de m'octroyer, de me rendre, me retrouvant moi au milieu du cours central, seul, en train de regarder les images de 11 années d'une passion indescriptible.